À travers de ce petit message que j'aimerais vous communiquer. Voici, nous avons le temps pour diverses choses dans ce monde, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons le temps pour nous balader. Nous avons le temps pour nous préparer pour des bonnes choses, des choses essentielles à la vie. Mesdames et messieurs, j'aimerais aujourd'hui vous communiquer ce message en vous disant, est-ce que nous nous sommes préparés à la rencontre du Créateur? Le Sauveur que le Créateur a envoyé. Dans la Bible, il s'appelle Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Car Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé ce sauveur-là, Jésus-Christ. Il a effacé la condamnation qui était sur nous. Si nous l'acceptions, bien évidemment. Alors est-ce que nous sommes prêts, mesdames et messieurs, à faire ce pas de fer de notre cœur, de l'accepter? Jésus dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera malheureusement à cause du péché. Le péché est une malédiction qui vient du diable, mesdames et messieurs. Le malin, vous savez, c'est le contraire d'aimer son prochain. Et nous avons tous contracté cette malédiction, malheureusement. Le seul qui a la puissance pour nous délivrer de cette malédiction s'appelle Jésus. Il faut l'accepter. Il dit que c'est par lui que nous sommes sauvés. Il vous invite, celui qui croira en lui et qui sera engagé avec lui dans le baptême sera sauvé. Marc 16. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, qui Jésus vous aime, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous voyez la mortalité, la guerre, la famine, et tout ce qui se passe, mais Jésus, il est là. Invoquez-le dans les moments d'angoisse, dans les moments de souffrance, dans les moments de tristesse, et il vous répondra. La Bible dit dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, Dieu a tellement aimé le monde et qui a donné son Fils unique. Jésus, c'est lui qui était crucifié sur la croix et qui a ressuscité dans le troisième jour. Afin quiconque croit en lui, qui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour donner la vie.